Bonjour Michel Juvet. Bonjour. La croissance semble bonne, mais finalement nous avons eu un premier trimestre plus faible. Est-ce que finalement tout va bien ? Oui, c'est juste, on a une croissance ce trimestre qui est plus faible que le trimestre précédent, essentiellement parce que la consommation est un peu plus faible partout dans le monde. Mais une fois qu'on a passé cette phase, les choses semblent se rétablir et on se dirige vers une croissance assez soutenue encore pour la fin de l'année, avec des taux de croissance de l'ordre de 3% aux États-Unis, 2,5% en Europe et plus de 5% dans le reste du monde. Donc à part le Venezuela, à part la Turquie et peut-être la Russie qui sont un peu à l'écart, le monde va bien dans son ensemble, toujours. Alors, vous en parliez lors de vos perspectives économiques 2018, l'automne passé, l'endettement trop élevé, un risque. Aujourd'hui, c'est une vraie menace, plus particulièrement l'endettement privé. Pourquoi ? Alors, il y a l'endettement privé et public, et les deux sont une menace, c'est celle de la hausse des taux d'intérêt. Hein, quand le coût de l'argent monte, ben, ça devient de plus en plus difficile d'honorer ses dettes. Du côté public, l'endettement public est beaucoup plus élevé qu'en 2007. Donc la question ici, c'est que si la croissance devait ralentir, si on devait avoir une récession, évidemment que les États auraient moins de moyens à disposition pour relancer la machine. Puis du côté du privé, en attendant, ben, évidemment, l'endettement très élevé fait que si la croissance des bénéfices ne suit pas, certaines entreprises auront des difficultés à rembourser leurs dettes et certains créanciers devront supporter les frais. Alors au vu de ces éléments, peut-on dire qu'il y a menace imminente de récession ? Alors imminente, non. Mais c'est vrai que ce cycle, en particulier le cycle américain, est très long. Il a été prolongé grâce aux politiques budgétaires de M. Trump. Mais c'est vrai que maintenant, on a un indicateur à suivre de très près, c'est ce qu'on appelle la pente des rendements. Quand les taux d'intérêt courts se mettent à monter et dépassent les taux d'intérêt longs, on a une inversion de la pente des rendements et c'est un indicateur assez fiable qui annonce une récession dans les 9 à 12 mois suivants. Or, l'inversion de cette pente des rendements va certainement se produire à la fin de cette année. Alors, au risque lié à la hausse des taux d'intérêt vient s'en greffer un autre de risque, celui du protectionnisme maintenant. Exactement. C'est un risque en soi, mais en plus, il arrive dans un contexte qu'on vient de le voir de hausse de taux d'intérêt et de potentiel ralentissement en 2019. Donc, c'est un risque à prendre au sérieux. Tout le monde se rappelle de 1929-1932. Les nations sont hyper protectionnistes. Le commerce mondial s'effondre de 2/3 et la croissance économique s'effondre avec la baisse du commerce. Alors, aujourd'hui, on a des menaces. Je pense que c'est un phénomène très vicieux, il est assez lent, mais qui effectivement pourrait mettre en cause la stabilité de la croissance actuelle. Alors on parle beaucoup de guerre économique entre d'une part les États-Unis, l'Europe, mais aussi la Chine. Vous croyez, vous, à cela, à cette montée de l'escalade verbale ? Alors, je crois qu'il y a une vraie menace, mais en même temps, chacun sait que ce n'est pas une solution et que les conséquences seraient désastreuses. Donc, chacun a intérêt à ne pas tomber dans ce piège. Ceci dit, on sait aussi que M. Trump est le champion de ses coups de poker. C'est sa façon de négocier. Il préfère taper du poing sur la table pour ensuite négocier. Probablement qu'il est dans cette dynamique. Il va permettre de faire bouger les lignes, il va permettre de faire bouger les Chinois. Mais je ne pense pas qu'on ira vers cette cassure du commerce comme on l'a eu dans les années 30. Alors sur le plan géopolitique, les tensions entre les deux Corées diminuent. En revanche, en provenance de l'Iran, eh bien les risques augmentent. Oui, c'est vrai. La situation sur la frontière coréenne est positive. Elle est évidemment bonne à prendre, mais elle n'aura des répercussions positives qu'au niveau régional. Japon, Corée, voire un petit peu de la Chine. En revanche, la situation de l'Iran est beaucoup plus complexe, implique beaucoup plus de nations. Et c'est vrai que la menace de M. Trump de se retirer de cet accord conclu avec les Iraniens ferait que les Iraniens ne pourraient pas exporter leur pétrole. Ça ferait donc monter probablement un peu le prix du pétrole. Mais surtout, ça pourrait raviver d'autres tensions dans toute la région, ce qui pourrait créer évidemment un embrasement sur le prix du pétrole, ce qui serait négatif pour les revenus des consommateurs et donc pour la croissance économique. Merci Michel Juvet. Merci.